Un frère qui est dans ma classe a la haine sur moi. Cependant, c'était lui qui était en faute. Mais bon, je lui ai dit, c'est de ma faute, smahli. Mais ce frère ne veut rien faire. Il n'en a que faire. De plus, il me regarde de travers. Moi, je lui réponds par le sourire. Cependant, ces derniers temps, je ne veux pas lui serrer la main et lui passer le salam de peur d'une réaction de sa part. Et j'ai peur de lui donner une tarte en cas de rejet. Je vous l'ai dit, hein, ah, chez nous, c'est très rapide. Action, réaction. Ah, les Arabes, c'est très chaud, subhanallah l'adhi. Mais j'ai remarqué que si tu dis à quelqu'un « Qiyam l'ail », il ne va jamais bouger. Vous avez remarqué, par exemple, tu m'embêtes, qu'est-ce qu'il dit? Une tarte. Mais si tu dis « Qiyam l'ail », il ne va jamais faire « Allahu Akbar », Allah jamais. C'est seulement dans certains domaines, action, réaction, il tape. Il a raison, parce qu'il tape, il dit « Au moins, il est sincère, il est honnête, parce qu'il dit « Je tape ». Quelle attitude adopter? Wallah, il n'y a pas le choix. Un musulman ne peut arrêter le salam vis-à-vis de son frère musulman. Wallah, on ne peut pas, Yacheb. Tu passes devant ton frère, tu le salues. Même si tu dois saluer en général. Là où tu as raison, si jamais tu sens qu'en le regardant, ça va lui mettre de la haine, ne le regarde pas. Tu passes, en gros, tu dis salam alaikum. C'est tout. Si lui veut continuer à garder cette haine, comme tu dis, ou ceci ou cela, ça, c'est lui maintenant qui est responsable. Toi, Jazakallah, d'après tes dires, Wallah, vous savez en islam, quel est le bénéfice de celui qui fait le pas en premier? C'est immense, Yacheb. C'est incroyable. Wallah, c'est beau celui qui fait le pas en premier. Donc toi, Allah Ardali, continue comme ça. Essaye aussi de faire passer des intermédiaires pour qu'il lui parle, d'autres amis que lui respecte. Tu leur dis, Wallah, j'ai rien contre lui, c'est pas de ma faute. Il se mahli. Puis après, si c'est maladif chez le frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, à ce moment-là guide et invoque. Comment donc faire face à une personne qui parle en mal à mon sujet et va même à inventer, vous voyez là, c'est pour ça que j'aime bien les questions, parce qu'il y a la pratique. Tout ce qu'on a dit, vous le voyez en pratique. Et va même à inventer des histoires pour soi-disant salir mon image. Dois-je lui en parler ou l'éviter? Malgré ce qu'elle fait, je lui dis bonjour, donc le salam, mais j'avoue que c'est un salam pas sincère, cela me dérange. Il faut aller lui parler. Il faut aller lui parler. Nous, notre génération, alhamdoulilah, on a grandi comme ça. Je ne sais pas les autres, Allahu alam. Mais beaucoup de notre génération, on nous dit souvent, ouais, vous êtes des msantah, ça, vous êtes des drôles, vous venez comme des petits kamikazes, là, vous. Nous, on a grandi comme ça. Dès qu'on voit un frère, il tire la tête bizarre, ou l'a dit, on va chez lui, ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, demain, je meurs, j'ai pas envie que tu me colles un truc sur mon dos, alors j'en ai déjà 500 collés sur mon dos. Ah, tu veux ton dossier à toi, tu veux me le coller? Parle-lui, dis-lui qu'est-ce qui se passe. S'il y a quelque chose, on le corrige. Et si on n'est pas d'accord, et toi, tu as un avis, j'ai un avis, alhamdoulilah, on se respecte et ça s'arrête là. Mais il faut aller, l'arda alikoum et chabal. Spécialement quand tu as eu un problème avec l'un et l'autre et que tu crois que va chez la personne. Et à ce moment-là, quand tu as mis en garde la personne et qu'elle continue à mentir, là tu peux le dire à ceux qui viennent chez toi, tu dis Wallahi, j'ai été, j'ai parlé avec la personne, je lui ai expliqué. Et c'est tout. Mais la personne doit savoir qu'un jour ou l'autre, elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit. J'ai calomnié une sœur, mais je n'ai pas osé lui dire. Je lui ai demandé pardon sans lui dire la raison et elle m'a pardonné suffisant. Des fois, dans certains cas de force majeure, naam. Il n'y a pas besoin, des fois, donc, d'aller plus loin dans certaines, entre guillemets, explications. Parce que ça dépend de la situation. Mais si jamais, subhanallah, tu as tout simplement demandé pardon, mais tu sais, écoutez-moi bien, tu sais qu'au même moment, beaucoup de personnes pensent à mal d'elles à cause de la calomnie que tu as fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arranger, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut arranger ce que tu as dit sur elle. Mais si tu vas chez un frère, tu lui dis « Salam alaikum », tu vois celui-là là-bas, c'est un voleur. Puis tu vas chez l'autre, c'est un voleur. Puis tu vas chez le gars que t'as accusé, tu fais, tu me pardonnes? Pourquoi? Je veux que tu me pardonnes. Oui, je te pardonne. Allez, ça m'a mais tu fumes. C'est quel pardon, ça? Sérieux, c'est quel pardon? Il y a des gens qui le font, ils croient que ça fait... Il a... Là, abadan, on a dit, tu dois aller arranger le tort que tu as fait. C'est important, l'ardalikum. Comment pardonner des gens qui ont cassé, voilà, mon couple par jalousie? Impossible, j'ai du mal. Non, on vous comprend. Wallahi. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, ça peut prendre des semaines, des mois. Vous voyez ce qu'on a dit? Ah, voilà, sœurs qui témoignent de cela. Vous savez combien il y en a? Des fois, à cause que des sœurs voient d'autres sœurs vivre bien, vivre à l'aise, ils ont un mari, masha'Allah et tout, allez, on y va. Wallah, on est tombé dans une bassesse incroyable chez certains. Il faut faire attention à cela. Ardé, agré, accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala donné. Et Abu Huraira radiallahu anhu, dans une belle tradition, Allah te dit que quand tu as comme ça des envies là, par rapport à vouloir des choses, ne regarde pas chez ceux qui sont plus hauts que toi, regarde chez ceux qui sont plus bas que toi. Et le prophète, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, il a vu ceux qui avaient des doigts de cuivre qui se tirent la peau et tous ceux qui parlent, qui calomnient et ainsi de suite. La faute, c'est grave. Vous imaginez, voilà un couple qui est cassé. Le cheikh Al-Uthaymeen rahimallah, il les a dans une fatwa appelée Al-Mufsidouna fil Ard, c'est-à-dire ceux qui font ça, qui cassent comme ça les couples,
les appelés, donc c'est ceux qui sèment la turpitude sur terre, le fasad, la débauche. C'est grave, yahi, d'être ou chercheur d'être jugé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui sème la débauche sur terre. Voilà. Comment faut-il réagir quand une personne nous rapporte des choses dites sur nous, sachant que la personne est une personne de confiance? Ça, c'est grave, ceux qui le font. Parce que la même chose, ça c'est cité dans la sunna. On ne peut pas venir et dire à quelqu'un, oui, il y a ceci ou cela. La meilleure chose quand quelqu'un a celui qui, soi-disant, est une personne de confiance, c'est une question qui vient de côté des sœurs. Celle qui dit que, soi-disant, c'est une sœur de confiance, vous savez ce qu'elle doit faire quand quelqu'un vient lui dire, un tel a fait? Eh bien, tu prends la sœur par les mains et tu dis, viens, on va voir la sœur. Yallah. Elle veut pas, tu prends le GSM. Un jour, un ami à moi, mashallah, que j'aime en Allah, qui est étudiant à la Mecque, il vient à peine d'arriver de la Mecque, tout content, il vient à Bruxelles, il voulait nous rencontrer, ses amis et tout, et il me dit, à peine j'arrive au quartier à Molum, qu'un, il vient lui fait, ah, tu viens, t'es revenu, ceci, cela, et je lui dis, fais attention, hein, parce que, un tel, le frère, il lui a parlé de moi, il dit, parce qu'un tel, il est dans un égarement, il est, je sais pas ce qu'ils ont ces derniers temps, dites-moi les frères, il y a de l'égarement là, franchement. Non, peut-être que des fois on sait plus ce qu'on fait, Allah. Ben, le frère, j'aime mieux, c'est ce qu'il a fait. Je vois le nom et je vois la Mecque, parce que c'est comme ça que je l'appelle dans le GSM. Ah, je dis, il est déjà là. Salam alaikum. Miskin jazaoullah. Même pas avec le, comment tu vas, Kada. Il m'a dit, je te passe un, parce qu'à ce qui paraît, t'es égaré. Tiens. L'autre, il savait même pas qu'il allait faire ça. Il croyait qu'il appelait comme ça. Puis j'entends, il dit, non, mais. Puis je l'entends, il crie, il fait, oh, vas-y, parle. Pourquoi tu me casses ça comme ça? C'est comme ça qu'on doit éduquer nos frères et sœurs. Tu ouvres ta bouche, assume. Pas que tu viens, tu me vides comme ça une tarte et puis tu pars. C'est quoi, c'est pas de l'islam ça, Ikhwan. Assume tes propos. Tu veux me parler de quelqu'un? Bismillah, main dans la main, on va chez lui. Yallah. Ça c'est le vrai musulman, la vraie musulmane. Mais ça, comme vous le savez, on a délaissé cela. Donner l'exemple d'une personne, raconter son histoire, ses dires, etc. Ne fait-il pas partie donc de la namima? Eh bien, il y a un hadith, subhanallah, là-dessus. On vous dit que déjà, vous ne devez pas citer la personne. Parce qu'il y a un hadith là-dessus. Quand quelqu'un vient, il dit, et les compagnons étaient étonnés quand il dit à Rasulallah, et si jamais ce qu'on a dit, et il est en lui. Il a dit, vous l'avez calomnié. Il ne peut pas. Mais quand vous racontez un fait, ça c'est différent. Mes chers, ils le font souvent. Vous avez ceux qui écoutent, alhamdoulilah, les conférences, ils entendent souvent ça. Cheikh, il dit, voilà, il y avait quelqu'un, il y avait Kada, mais n'allez jamais citer le nom de la personne. Parce que, entre-temps, il peut s'être repenti. Cette personne peut-être, déjà c'est interdit de parler de lui, mais même si tu vas me dire, oh là, j'avais une bonne intention, c'était pour donner un exemple à quelqu'un, mais tu ne peux pas le salir parce qu'il s'est repenti, c'est fini, il n'est plus là-dedans. Et deuxièmement, même s'il était encore là-dedans, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc vous voyez, c'est subtil, mais c'est deux cas qui sont donc tout à fait différents. Allah ta'ala. Je me suis disputé avec ma mère et je regrette, mais à chaque fois que j'essaye de me rapprocher d'elle, pour m'excuser, elle m'évite, que dois-je faire? C'est vrai que ça ne rentre pas dans la jalousie ni autre, mais... Ben, au plus elle t'évite, au plus tu sautes dessus. C'est connu ça. Ta mère restera ta mère. Fais le fou. Wallah, il fait le fou. Elle fait un pas en arrière, saute dessus. Saute-lui à ses jambes, embrasse-lui ses pieds. Ah, vous allez voir c'est quoi vraiment récupérer Rida de l'Walidin. C'est ça. Saute sur elle, la lâche pas. Elle va dormir, tu restes devant la porte. Tu dis à l'Walida, Wallah, moi je dors. Ahna, nos jeunes, des fois, qu'est-ce qui va tenir? Une heure, 5 minutes. Puis demain est un autre jour. Là, tu la quittes pas. Tu dis, Wallah, moi je dors. Mange, Allah, moi je mange. Va me pardonner. Parce que dormir et laisser ses parents en état de colère, c'est grave. Il y en a beaucoup qui le font et vous le savez. Allah, vous le saurez que quand vous les aurez perdus, là, vous ne savez plus récupérer même pas une minute ou un acte que vous avez fait. Donc là, comme ceux qui ont des comptes à rendre avec leurs parents, ils ont intérêt à solder tous les comptes avec eux, chaque soir, avant d'aller dormir. Arrangez-vous que vos parents soient à l'aise vis-à-vis de vous. Même ceux qui sont mariés, téléphoner de temps en temps. Walid, pas de problème, pas de non. Salam alaikum. Ah, Naam, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il avait envie de te voir ce jour-là, il n'a pas osé te le dire, il est peut-être en colère. Allahu alam. C'est pour ça que je dis aux jeunes, il y a des facilités que vous avez incroyables. Téléphone, tout. Appelle, demande après. Ça aussi. Il y a des. J'en ai pas parlé dans le sujet, mais en vérité, parce que c'est vrai que c'est un autre sujet, mais ça peut entrer. Franchement, c'était faisable. Mais la personne dit, la sœur dit, comment, dans un couple, comment faire face à la jalousie abusive, abusif, ça veut dire vraiment, il exagère, maladif du conjoint. Ça, alhamdoulilah que cette sœur pose encore la question. Parce que d'autres sœurs seraient déjà parties. Parce que nous, on le voit au travail, c'est quoi, hein? Vivre avec quelqu'un qui a une jalousie, même des hommes, des fois, se plaignent de cela.
La sœur, tous les 10 secondes, elle contrôle, elle appelle. Type, un jour, il m'a montré un frère, son GSM, 25 appels en une heure. T'es où? Je suis au même endroit. T'es où? Il y a des sœurs, la même chose. Et ça, c'est une maladie, Erwan. Elle doit être soignée, wallahi. Vous serez étonné, c'est une maladie. C'est pas une simple jalousie, ça. Il y en a plein qui croient que non, c'est de l'amour. Wallahi, c'est pas de l'amour, c'est de la folie. Parce que la personne, la fait vivre dans des doutes, il croit que sa femme serait capable de... Ou des fois, même s'il ne doute pas de sa femme, il croit que les autres seront capables de lui faire ou ceci ou cela. Et là, la fait de la sœur, alhamdoulilah, qu'elle pose la question. Mais lui, on lui conseille de demander une médiation privée. Si la médiation, ça ne va pas, on passe par les parents. Parce que des fois, ce genre de situation, ça se solde par des divorces. Mais des fois, il faut aussi que la sœur se pose des questions aussi. Et excusez-moi de la franchise. Des fois, il y a des sœurs qui, par exemple... et des frères aussi, ça tombe qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'homme, par exemple ce couple-là, l'homme est beau, ou bien la femme est belle. Ça arrive. Il n'y a pas que des moches, alhamdoulilah, sur terre. Hein, côté homme et femme, il y a des beaux aussi. Et naam. Peut-être que nous, entre moches, on se comprend, mais il y a un autre monde. Et naam. Il faut savoir qu'il y a un autre monde. Il y a des gens qui sont beaux, hommes et femmes. Et des fois, subhanallah, si tu trouves un homme qui a tiré le gros lot, il est tombé sur une sœur, mashallah, toute jolie, tout ce que tu veux, wallahi, des fois, shaitan, il vient, il lui fait, hey, comme toi, elle t'a tapé à l'œil, elle va taper à l'œil de 500 types dans le quartier. La honte, mon frère. Type, il devient un bel, c'est tout. S'il aurait aimé que sa femme sorte avec lui dans un caisson, il aurait sorti en la tirant comme ça, dans une caisse, avec un petit trou, et puis il parlait avec un arabe, c'est-à-dire que les, ça va, tu respires, tout va bien, je te rajoute un peu de... Parce que pour lui, tout le monde va la prendre, tout le monde va la regarder, tout le monde. Et il y a des sœurs, la même chose, qui nous disent, monsieur... En vérité, regardez, voilà, une sœur derrière moi m'a dit, monsieur, moi j'ai pris mon mari parce qu'en vérité, c'était le beau gosse du quartier. Et regardez comment elle est devenue jalouse à cause de quoi. C'est tout bête, subhanallah. Elle m'a dit, parce que c'est le frère qui l'a envoyé, elle m'a dit, avant que je me demande en mariage, toutes les filles le voulaient. Beaucoup de filles voulaient se marier avec lui. Habibul Jamahiri, ça existe, ça, des aimés de la société. Mais tout le monde voulait ce frère. Elle me dit, alhamdoulilah, je me suis moi marié avec lui. Elle me dit, mais non, je sais que les autres sont envieux. Je suis sûr qu'elle pense encore à lui. Tu vois, shaitan, comment il entre là. Alors qu'on est censé baisser le regard, on est censé ne pas avoir des pensées par rapport à quelqu'un qui est haram pour toi. Mais ça, Satan, il te fait oublier ça. Et voilà, la sœur te dit, c'est devenu maladif maintenant. Dès que mon mari sort, je suis malade. Je ne suis bien que quand il rentre à la maison. Tu vois, subhanallah. Et on a des frères, la même chose. Et l'autre franchise, je dois être honnête, chère sœur, revoyez aussi vous. Comment vous êtes quand vous sortez? Parce qu'il y a aussi des sœurs qui n'imaginent pas, hein, qu'Allah les guide. Il y en a qui touchent leurs sourcils, il y a des sœurs qui sortent maquillées, parfumées, des hijabs 42 pièces, 3 couleurs, fluo, kada, ceci, cela. L'autre, elle est tympante, là, je ne te dis pas, tu crois, dans un défilé. Elle s'étonne que le mari, il est malade quand il la voit sortir. C'est comme s'il voit sa femme qui va être enlevée. Il est là, il dit « Arbi, arbi, arbi ». Mettez-vous à la place. Après, elle te dit « Non, mon mari, il abuse ». C'est normal, chère sœur. N'importe quel savant te dirait, alhamdoulilah, qu'il est encore vivant, le type. Ben oui, il aurait déjà une crise cardiaque depuis des années. Et il y a des gens, ils vont pas loin dans les détails. Ils croient tout simplement, oh, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a cet excès. Mais revoyez aussi un petit peu votre situation. Sauf si la sœur dit, non, moi, alhamdoulilah, il n'y a rien de cardiaque, c'est maladif. On vous dit, allez voir le côté médical, wallahu ta'ala a'lam. Il dit, si un frère et une sœur travaillent ensemble dans une mosquée, ils font un travail formidable. Cette sœur s'est trouvée... J'ai pas compris le mot. Donc il y a eu un problème. Donc le frère s'est trouvé le frère à cause de son travail au niveau social. Beaucoup de bruit court à leur sujet. Comment peuvent-ils continuer leur travail formidable sans faire attention aux ragots à leur sujet? Et cette sœur, comment doit-elle se comporter face à cette jalousie de ses propres sœurs? Ils n'ont déjà pas à travailler ensemble, ce qui n'est déjà pas logique. Quand tu travailles dans une mosquée qui a frères et sœurs, il y a le comité des frères, il y a le comité des sœurs. Et si une sœur qui est responsable côté sœur doit transmettre quelque chose, alhamdoulilah, il y a un secrétariat, elle peut laisser donc un document disant voilà, activité un tel pour prévenir qu'on a besoin de la salle, de ceci, de cela. Et alhamdoulilah, il y a le responsable de la mosquée. Et on ne se retrouve pas tout seul dans une pièce, il faut un mahram. Ou bien, comme vous le savez, deux tout seuls, le troisième c'est shaitan anawla. Donc il y a toute une structure, ce qu'on appelle les cas de force majeure. À la base, en septembre, on définit le programme de l'année, les cours CADA, mais pas tout seul à un frère et une sœur dans une pièce. Et alhamdoulilah, par exemple, il y a des centres connus où il y a des activités pour frères et pour sœurs.
ben les sœurs établissent leur programme, leur ceci, leur cela, elles déposent leurs doléances, cada, secrétariat y voit, alhamdoulilah, nous on a des règles hyper à l'aise de ce côté-là. Mais c'est pas parce que c'est dans une mosquée que le frère doit graviter avec la sœur et se retrouver à deux dans un bureau et faire ceci ou faire cela, non. Donc l'affaire elle est très simple en vérité. Chacun doit garder ses limites. Je sais que c'est peut-être un discours qui choque certains, mais chez nous en islam, on est fiers de « vaut mieux prévenir que guérir ». Alhamdoulilah. Nous, ce qui est beau dans l'islam, c'est qu'on ose avouer la faiblesse de l'être humain. Les musulmans ne sont pas gênés de cela. Et spécialement la faiblesse de l'homme. L'homme. La preuve dans le Coran, celui qui est le plus touché, c'est l'homme. C'est l'homme qui convoite le plus la femme, c'est pas l'inverse. C'est pour ça qu'on n'est pas gêné de ce côté-là. Dans la religion, c'est des choses qui sont franches. Allahu ta'ala. On a une sœur, c'est normal, donc ça la touche à l'intérieur, mais elle a de quoi. Doit-on accepter que notre mari ait des amis, femmes? Doit-on s'en séparer ou accepter de vivre malheureux, sachant que cet homme n'a pas changé en 5 ans? Il n'a pas le droit. Vous imaginez, c'est toi, tu viens, tu lui dis, écoute, j'ai 5 amis. Ça serait l'arabe, comment ils sont? J'ai même pas dit musulmans. Un arabe, il est tellement fier, façon de parler vis-à-vis de son épouse, que si l'épouse aurait le malheur de lui dire, voilà, ben, à partir d'aujourd'hui, je connais Jean-Jacques et Momo et Kada et tout. Le type, il va voir, ça c'est la vérité, subhanallah. Wallah, il ne va pas aimer. Mais subhanallah, est-ce que c'est haram pour elle et halal pour toi? Comme ils disent les savants, haramun alaykum, halalun alayna. Combien de frères demandent de ces règles incroyables à leurs femmes? Tu ne parles pas au parlophone, tu ne parles pas au téléphone, tu ne réponds pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Et lui, tabarakallah, à l'aise. Quand il prend la parole, il ne tarit pas d'éloge. Belle voix, très douce, que tu as affaire au plus grand des. Non, Yéhouan, wallah, est-ce qu'il est haram pour toi et haram pour elle? Tu n'as pas à avoir d'amis. Donc la sœur, vous devez lui redire ça encore une fois. Il ne veut pas, vous faites une médiation avec les parents. Il n'a pas à qassar avec des sœurs. Parce qu'il faut une médiation, car je ne peux pas juger. Qu'est-ce que c'est avoir des amis, eux? C'est très restreint, cette phrase. Quoi qu'il arrive, comme elle est mise là, on ne peut pas. On a donc, comme on l'a bien expliqué, vous avez compris, on a nos limites. Mais demandez donc d'office une médiation. Et vous ne pouvez pas vivre comme ça avec quelqu'un qui cassale avec des sœurs et compagnie, ou des femmes. Non, ce n'est pas un couple musulman, ça. Il y a un problème là, quelque part. Ce n'est pas pour rien que l'islam a mis des règles par rapport à cela. Demain après-demain, il est parti avec une de ceux-là. Wallahi. Ça, c'est la réalité, faut pas, et on en a entendu des choses. Est-ce qu'on peut être jaloux de son épouse ou de son époux? Et naam, il y a ce qu'on appelle al-ghira, qui est positif, qui est l'inverse de ad-dayyuth. Ad-dayyuth, c'est celui qui n'a aucune fierté vis-à-vis de sa femme ou de ses filles. Celui-là ne sent pas l'odeur du paradis. Ça veut dire un homme qui voit sa femme, un type, il vient, il qassar avec elle, il parle, il est à l'aise, il te fait non, mon frère, c'est open life. Ouais, c'est. Il n'a pas touché, il n'y a pas de problème. Hein. Attends qu'il la touche d'abord. Non, mais c'est à l'aise. Adas, c'est un dayouth. Là, yashumura ihat al-jannah, il ne sent pas l'odeur du paradis. Donc là, c'est bien d'avoir cette fierté. Même la femme, c'est bien qu'elle ait cette fierté vis-à-vis de son épouse, de son époux Afwan, et l'époux vis-à-vis donc de son épouse. Qu'en est-il du fait de se confier auprès d'une personne qui nous est proche au sujet d'un tort qu'un tiers nous a fait? Est-ce considéré comme étant mal? Je précise qu'ici, je cite le nom de la personne, le prénom. Non, tout d'abord, vous ne devez pas citer le prénom. Pour ça, le prophète Hassan, quand il donnait comme ça un conseil, dont tout le monde disait, que penser de certains qui ont fait ceci ou cela? Eh bien, on doit prendre cette leçon. Vous allez chez une sœur pour vous confier, parlez pas du nom de la personne. Vous savez pourquoi? Certains, ils sous-estiment ça. Quand tu vas parler du nom de quelqu'un, on sous-estime que la personne qui est en face, qui va t'écouter, si cette personne t'aime bien, il va compatir, n'est-ce pas? S'il compatit, il se pourrait qu'il va y avoir, wallah, de la haine vis-à-vis de cette autre personne. Toi, tu t'es confié, tu as vidé ta haine, mais au même moment, tu l'as vidé sur qui? Sur celui qui t'écoute. Celui qui t'écoute, il est comme une éponge. Il va prendre ta haine. Comme il t'aime bien, demain, il voit l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à regarder de travers. Alors qu'il se pourrait que l'autre s'est déjà repenti, c'est fini, elle a oublié, elle a pardonné. Toi, qui n'avait rien à voir, chaque fois que tu vas voir cette personne, tu vas commencer à avoir des doutes. Regardez comment ça se passe. Donc, quand vous avez besoin d'un conseil, ne donnez jamais le nom de la personne. Il n'y a pas besoin, Allah d'alikoum, puisque votre but, c'est d'aider l'autre. Donc dis-lui, voilà, moi j'ai une personne, voilà ce qu'il y a, comment tu peux me conseiller? Voilà comment elle est cette personne, quand elle fait ceci, quand elle fait cela. Mais n'allez pas, Allah d'alikoum, donner des noms. Ça, c'est important. Et c'est une amana aussi, celui à qui on a confié cela, doit garder, comme vous le savez, cela donc en secret. Est-ce qu'une femme peut pardonner son mari qui a commis l'adultère?
L'âme savoir avec le sujet, parce que la personne peut se retrouver dans une situation de haine. Et n'âme. Parce que c'est un acte grave. Eh bien, elle ne peut rester avec lui que si jamais il se repent sincèrement. Elle doit lui donner une leçon. Parce qu'en général, les hommes, s'ils attrapent leur femme, avoir commis l'adultère, Allah il pardonne à 99%. C'est vrai ou pas, Chabab? Les hommes, ils n'ont pas de pitié. Ben moi, je dis la même chose aux femmes. T'attrapes ton mari, fais le malin à gauche, à droite. Il faut lui couper la tête sec, tranquille. Je dis, ah, viens. Pour une fois qu'on vous a entre les mains. Il doit savoir que l'acte qu'il a fait, c'est l'acte le plus odieux qu'on a. Vous savez, il y a shirk, ça c'est connu. Mais dans les relations humaines, l'adultère, c'est une mosiba. Les jeunes, avec tout ce que j'entends, ils n'imaginent pas. C'est une mosiba. Donc la femme doit vraiment faire une enquête vis-à-vis de lui, de savoir s'il se repent vraiment sincèrement. S'il est quelqu'un de nichen, bien droit, à ce moment-là, elle le reprend comme époux. Ni l'homme ni la femme doit jouer avec l'adultère. On ne joue pas avec ça. Abadan. Et on ne doit pas fermer les yeux aussi facilement. Parce que quelqu'un qui commence à toucher le corps des autres, si jamais il voit qu'il n'y a pas quelque chose de strict, un jour ou l'autre, il récidive, à l'aise. Et il faut absolument que même s'il y a un pardon entre eux, ils doivent en discuter avec un imam ou quelqu'un compétent pour voir qu'est-ce qui l'a poussé à le faire, pour étudier le problème. Parce que des fois, ça peut être... Ce n'est pas une excuse, attention, qu'on m'écoute bien, ce n'est pas une excuse. Des fois, ça peut être la faute de la femme. Elle l'a délaissé, ceci, cela, et lui, il croit qu'il a fait un bien en allant chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une excuse. Une femme qui a un problème avec son mari, qu'ils en discutent. Un homme qui a un problème avec son épouse, ils doivent en discuter. Médiation, les parents après, d'abord une médiation neutre, puis les parents, à ce moment-là, s'il faut arrêter, on arrête. Mais jamais qu'on trouve comme excuse d'aller commettre, voilà, donc, l'adultère. Ça, on ne peut pas l'ardalikoum.